Oui, Gwen? Ça veut dire quoi en tépénultième? Je crois que ça veut dire avant-avant-dernier. Ah, d'accord, oui, ça paraît logique. Hé! T'as enfoui ton nez dans ce bouquin depuis trop longtemps. Tu m'avais promis de faire quelque chose avec moi aujourd'hui. Rends-le-moi! Accepte de venir faire du canoë ou je mets ton livre au barbecue? Rends-le-moi ou je raconte à tout le camping ce que tu aimes grignoter par-dessus tout. Et c'est une chose que les bébés mangent en général. Bon, d'accord, t'as gagné. Je vais faire du canoë tout seul, ce qui veut dire que je vais forcément tourner en rond. Je vais la chercher, tiens-moi ça. Tu sais ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Je m'en fiche. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan et un plan de secours. Oui, et peut-être un plan de secours pour le plan de secours. Ah, Gwen a l'air d'être tellement heureuse. C'est le moment de gâcher ça. Il faut aller détruire son joli petit monde parfait. Et je sais exactement qui va pouvoir faire ça. Quand on me regardera... C'est Gwen que l'on verra. C'était très bizarre. Ça va devenir encore plus bizarre. Le secret pour griller les saucisses, c'est de les retourner au moins deux fois. Je vais aller chercher ma sauce barbecue spéciale. Surtout, ne touche à rien. Pas de problème. Qu'est-ce que l'enchanteresse fait ici? Et où est Gwen? Ah, mais à quoi il joue maintenant? Reste où tu es, espèce de... Mais oui, pour que tu essaies encore de prendre mon livre. Grand-père, 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 grand-père! Grand-père, 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 grand-père! Grand-père, 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 grand-père! Grand-père, on peut aller en Égypte, s'il te plaît! Les enfants! Tu veux qu'on te convainque? Des chats momies! Des pyramides! Des chiens momies! Des trésors maudits! Des humains momies! Du sable! Des jars! Des pyramides! Des chameaux! Gwendoline, c'est tellement mignon que tu crois encore aux chameaux. Les chameaux sont de vrais animaux, Ben. Ouais, et bientôt tu me diras que les rennes existent aussi. Ah, il faut que tu nous emmènes en Égypte pour que je montre un chameau à Ben. Non, on doit montrer à Gwen que les chameaux n'existent pas. Les enfants, on est en train d'aller en Égypte. C'est vrai? Je croyais qu'on volait seulement en rond. C'est ce qu'on pourrait croire. C'est un long voyage, mais on va arriver vite parce que le ciel est clair et que la météo... Parfaite. Bizarre, ce mauvais temps arrive de nulle part. Pas d'inquiétude, hélico, ma copter peut gérer ça sans souci. Qui? C'est une idée de Ben, c'est à l'essai. C'est toujours mieux que Chloé. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que tout vient de s'éteindre? On dirait que les moteurs s'allument et s'éteignent. Bien joué, hélico, ma copter. Quoi? Je l'aime bien, ce nom. Je pense qu'on est sur le générateur avec juste les fonctions essentielles. Oh, une chance qu'on ait encore le Wi-Fi. Désolé, Ben, mais c'est pas essentiel. Oh, c'est pas vrai. Oh. On a toujours nos livres. Celui-ci a un chapitre sur les chameaux. Oh, c'est encore plus ennuyeux. Ben, l'hélico a l'air faiblard. Sors et vérifie que les moteurs fonctionnent. Désolé, t'as entendu grand-père? Pas le temps d'écouter tes théories du complot, en plus. D'ici, l'hélico a l'air d'aller. D'accord, j'en ai assez. C'est une heure très sombre. Je n'ai jamais eu de défi plus dur à relever que ce paquet de chips. C'est un chouïa mélodramatique. Il te faut juste un peu de délicatesse. Ouais, la raison, certains problèmes ne se résolvent pas avec... La force brute. Ben, les commandes de l'hélicoptère sont fragiles et il faut beaucoup de précision pour faire un atterrissage parfait. Ah, voilà le professeur Lux. L'experte en animaux rares. Est-ce qu'on va voir des animaux rares? Va même en transporter un dans l'hélicoptère. Attention, Ben, les animaux sauvages sont sensibles. Je veux que tu le traites avec délicatesse. Pas comme la façon dont tu manges. Quoi? Je me demande quel genre d'animal c'est. C'est peut-être un tigre plongeur, ou un loup chevelu, ou une licorne robot, ou même un raton laveur super costaud. Ou un cibourgs, ou un nomaconda, ou un... Ben, ça suffit. Hey, elle l'a pas fait exprès, cibourgs. En fait, la créature qui est dans cette cage...